En cuisson traditionnelle, on a toujours des sources de chaleur qui ont des températures relativement élevées, de l'ordre de 300, 250, 180 degrés dans les fours, sur les planchas et tout. Dans l'huile à 180 degrés, 160, 180 degrés. Ensuite, on peut cuire dans l'eau bouillante à 100 degrés. Mais toutes ces méthodes de cuisson nécessitent d'anticiper la fin de la cuisson, de sortir le produit de l'appareil de cuisson et de le laisser reposer parce que la plupart des cuissons se terminent entre 54 et 68 degrés selon les propriétés que l'on veut préserver dans la viande et dans le poisson.